ça se finit à un but. En fait, la coupe contre Chartres, c'est serré à chaque fois. Ouais, à chaque fois qu'on les joue en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, c'est toujours un match qui se finit à un ou deux buts, ça joue sur des détails. Donc, déçu d'avoir perdu ce soir, après, ça joue à pas grand-chose. Est-ce que cette déception, justement, on ne peut pas en faire une force et une bonne préparation pour le match contre Nîmes vendredi? Voilà, vous y retournez direct au charbon et puis vous avez un peu cette frustration avec vous qui peut vous galvaniser. Ouais, c'est sûr, on aura à cœur de rebondir contre Nîmes. Là, ça fait deux défaites d'affilée, donc forcément qu'on va vouloir aller chercher des points à Nîmes, même si ce sera compliqué. Et on a surtout à cœur de faire un match pour nos supporters et mettre beaucoup plus d'intensité que ce qu'on a fait ce soir. Le coach a fait tourner un peu ce soir. C'est important d'avoir tout le monde attentif et tout le monde concerné par cet objectif de remonter un peu plus haut encore au classement. Ouais, tout le monde se sent concerné. Le coach essaie de donner du temps de jeu à tout le monde sur les matchs comme ça, mais il faut qu'on reste tous mobilisés ensemble pour gagner plus de matchs en deuxième partie de saison et rester soudés. Toi, personnellement, on te voit un petit peu en échec, mais tu gardes la tête haute quand même. C'est un travail que tu fais sur toi-même. Ouais, je suis pas dans une super phase en ce moment. Après, je doute pas de moi. Je sais que si je continue à travailler, ça va revenir. Donc, je doute pas et je sais que ça reviendra. Tu fais bien de pas douter parce que nous non plus. Merci, Emeric.